It's a gizmo! Et parcourons les océans. Ouais. Pour vaincre les méchants, un équipage ultime. Tous unis pour la team, c'est Gizmo conquérant. Sur Blanchefoot. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Blanchefoot. En ce moment, les gars, je kiffe faire des vidéos sur Blanchefoot. Je m'amuse de plus en plus à tester de nouvelles choses et à découvrir surtout de nouveaux petits fruits. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a, toi, mon ref? Je te défonce, toi, t'es un fou. C'est un malade, celui-là, je te défonce en première personne, mon pote. Si t'as un problème, allez, hop, les deux, ça dégage. D'ailleurs, aujourd'hui, les amis, on va découvrir un nouveau fruit que j'ai testé, je crois, une fois. Mais depuis, il a été mis à jour et c'est une dinguerie. Mais bon, ça va là, on va me laisser un peu tranquille en paix là. Laissez-moi, les gars. Laissez-moi, bande de rageux. On va découvrir ensemble le fruit de la porte qui a été rework, donc tout simplement pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, bah il a été retravaillé, voilà c'est la traduction, et il est beaucoup plus stylé maintenant d'après ce qu'on dit. Mais on va aller découvrir ça tous ensemble les amis, mais avant ça il faut quoi, il faut faire quoi, il faut faut pas aller dans l'eau, non. Faut mettre un petit like évidemment, mais oui, si vous voulez plus de Blanchefoot faut mettre un petit like et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas encore fait les gars. On rush les 40 000 abonnés et je sais que vous pouvez le faire. On va prendre un petit bateau tout simplement pour aller chercher le petit fruit de la porte. Et donne moi ça mon petit pote, ça fait plaisir. À moins que je l'ai les gars dans mon inventaire, je crois peut-être que je l'ai. Item, voyons voir. Alors, où sont mes petits fruits? Fruit du séisme de la barrière, non. Le fruit de la porte, non, il est pas là. J'ai tous les fruits sauf le fruit de la porte, c'est quoi ce délire? Bon, alors, voyons voir. Allons chercher le fruit de la porte. Je crois que le fruit de la porte, les amis, il est plus stylé que puissant. Mais du coup, nous, on kiffe quoi? On kiffe les trucs stylés aussi. Et oui, ça, c'est notre dossier, les gars. C'est ça qu'on aime. Les trucs un petit peu stylés comme ça, qui sortent du commun. Parce que ça, pour le coup, c'est un fruit qui sort du commun. D'ailleurs, petite question que vous pourrez me répondre en commentaire, les gars, à qui appartient le fruit de la porte? Et voilà, c'est un petit quiz One Piece, les gars. Voilà. Dans le manga, à qui appartient le fruit de la porte? Celui qui trouve, il est chaud. C'est parti, je vois la petite île en vue, les amis. On va choper ce pouvoir. Normalement, je crois que je l'avais pas vraiment up en termes de maîtrise quand je l'avais pris. Ou alors, je sais pas si on peut le réinitialiser, mais en tout cas, on va essayer de découvrir un petit peu toutes ces fonctionnalités ensemble. On va aller essayer de se taper des boss un peu pour le faire up dans cette vidéo. Parce que je crois pas que ce fruit a une V2. Ou alors, je suis pas au courant du tout. Ni je ne sais pas comment la faire s'il y en a une. Donc bon, j'espère qu'il a pas de V2. Ou alors peut-être qu'il en a une et ce sera pour une prochaine vidéo. A voir, comme j'avais fait pour le fruit du Doug, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Bonjour, je suis arrivé à bon port. Salut les petits potes, comment ça va? C'est à toi qu'il faut que je parle j'imagine, c'est à toi, bah oui évidemment. À moi les gars, attendez, avant de lui parler à lui, les gars, je peux peut-être essayer d'aller choper un fruit random. Où est-ce qu'on chope des fruits random ici? Faut que j'aille dans un café peut-être pour avoir des fruits aléatoires. Bah écoutez, je sais pas. Ouais les gars, non, j'ai envie d'essayer d'en avoir un aléatoire avant. Ce serait pas mal. Parce que je connais pas trop la C3, mais je crois qu'il y a une petite île tortue quelque part. Une petite île tortue où on peut peut-être essayer d'en choper. Je crois que c'est par là-bas, voilà. Derrière le gros château, il y a la petite tête de la tortue. J'ai un petit peu peur là en C3, je vais pas vous mentir. Wow, ça s'assombrit d'un coup ici. Wow, pourquoi ça s'assombrit là? Oh là là, le soleil se couche, les gars. Les Bounty Hunters sont de sortie. Bon, les gars, j'ai pas un si gros level que ça. Ça sert à rien de venir me Bounty, hein, les petits potes. Venez pas me taper, s'il vous plaît. Oh, ça se bagarre là-bas en plus, hein. Oh, ça se bagarre près du château. Ah! Oh, on m'a fait peur, on m'a pas prévenu. Oh, j'ai pas le temps de jouer avec vous, les petits frérots là. Ouais, ils m'ont fait peur. Ouais, comment elle me guette mal, la tortue? Et toi, tu vas me regarder mieux que ça. Toi, tu vas me regarder mieux que ça maintenant. T'as même pas de tête. On regarde sous le sol, t'as pas de tête. Allez, c'est parti. Normalement, je crois que c'est sur cette petite île qu'il y a un café, les gars. Ou peut-être on pourrait avoir un fruit aléatoire. Et qui sait, le fruit de la porte. Mais il faudrait vraiment qu'on ait beaucoup de chance. Non, est ça, le fruit de la porte, s'il vous plaît. Donc, le café, normalement, est par là, quelque part par ici. Bonjour, vous recrutez des pirates, hein, évidemment, oui. Mais moi, je cherche le petit frérot là qui pourrait me mettre bien. C'est un citoyen qui a une quête pour moi. Tu as une quête pour moi, c'est vrai? Parler, on peut parler, on peut discuter. La ville est attaquée. Ah, c'est dommage pour toi, mon ref. Visiblement, je peux rien faire. C'est ici? Oh, le café, c'est ici. Alors, attendez. Ah, voilà, il y a le Blanchefoot Dealer ici. Ah, bah nickel. Bah, au pire, on est juste à côté si jamais. Alors, c'est à toi sinon. Toi, on peut faire un petit spin aléatoire. Ok, très bien. Alors, combien tu vas me prendre? Ah, ok, 218. Ok, allez, fruit aléatoire, le fruit de la porte. On espère. Fruit de fumée. Ah, oui, bah, c'est super ça, comme si je l'avais pas. Oh, wesh, il a spawn comme un dieu, lui. Bon, bah, du coup, on va devoir l'acheter. Super. Oui, bonjour. J'espère qu'il est pas trop cher. Alors, le fruit de la puerta. Donde esta? Ah, il est là. Portal en rupture de stock. C'est dommage. Heureusement qu'on a des petits Robux quand même. Ouah, 2000 Robux. Ça fait beaucoup. Mais bon, on va le prendre, les gars. C'est pour une vidéo. C'est pour vous. On prend avec 2000 Robux. Let's go. J'ai plus que 135 Robux. Hein. J'ai plus rien. Ok, donc là, il est équipé, les gars. Le fruit du portail. Ok, donc le fruit de la porte. Ah, c'est ça. Ok, donc là, j'avais quand même été jusqu'à maîtrise 50. Même maîtrise 100. Ah, ok. Ok, j'avais quand même pas mal bombardé. Mais du coup, moi, j'avais l'ancienne version du fruit de la porte. C'est-à-dire que c'était la version un peu verte, un peu toute moche. Comme ça les gars, comme je vais essayer de vous mettre à l'écran. C'est pas très joli. Mais maintenant voyons voir ce qu'on a. Alors voyons voir la première attaque. Ouah, ok d'accord, donc c'est un petit dash dans le... Ok d'accord, donc c'est un petit dash. Ok, j'imagine qu'il fait des dégâts tranquillement. Voyons voir ça. Hop, comme as. Ouah, c'est vénère hein. Ouah, si c'est énervé hein. Parallèle escape, c'est quoi ça?
Ok. Oh, what, les gars, on est dans un monde parallèle et on respawn. Ok. C'est stylé. Non, c'est stylé. C'est quoi là? La maîtrise F? Oh, mais c'est carrément. C'est juste un TP en fait. Attendez, je peux reprendre le. Ah ouais, je me re-TP de l'autre côté. Wouhou! Waouh! Wouhou! Waouh, je pourrais m'amuser des heures. C'est stylé. C'est très très stylé. Est-ce que je peux faire passer un mob là-dedans? Y'a pas un petit mob qu'on peut faire passer ici? Je suis curieux. Y'a pas un boss ici normalement là? Frérot, frérot. Y'a pas des mobs? Ah, y'a des mobs ici, voilà. Alors, voyons voir. Après, peut-être qu'ils sont plus haut level que moi. C'est quoi? Vous êtes niveau combien? Ah oui, vous êtes un petit peu plus élevé, oui, c'est vrai. Bonjour. Ok, donc vous m'attaquez, d'accord. Et si je fais ça? Oh! Oh, il tombe dedans? Oh, ça l'électrifie, ça lui met des dégâts? Oh, il me suit? Oh, si, mais je peux lui mettre des dégâts en continu s'il me suit comme ça indéfiniment. Oh là là! Oh oui! Oh, mais ça lui met des dégâts? Attendez, j'esquive ses coups. Oh, mais je peux le tuer comme ça? Oh, mais quelle dinguerie! Et ça, ça lui fait un peu de dégâts? Waouh, waouh, waouh! Oh, mais ça le défonce! Waouh, ouais, mais en fait, c'est une vraie attaque ça! Ok, et parallèle escape? Ok, je l'ai emmené dans un monde. Ah oui, je peux le taper dans ce monde là après. Ok. Mais ça, c'est vénère, les gars! Ça lui fait une rafale de portail! Mais c'est. Mais, attendez, parce que là, je l'ai pas bien vu, mais c'est une dinguerie! Hop là, attends deux secondes, je t'enferme dans mon monde. Viens, viens, vas-y, c'est ça, viens, viens là! Hop là, il spawn là-bas, il comprend pas! J'ai juste à rester là et boum, ça te tue mon pote, et voilà. Oh, et on gagne un petit peu de maîtrise, et oui, oh là là, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Attendez, mais là, cette attaque-là, elle est trop belle, en fait. Pas bah, et là, regardez, oh, tous les portails qu'il défonce. Non, non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Hop là, et là, en fait, je peux faire ça et le taper sans qu'il me voit, en fait. Il peut rien faire, et tu peux rien faire, normalement. Hop, si je mets ça, bam, 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 je te défonce. Hop là, bam. Piu, 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 piu. Oh, pour faire ça, on l'attaque comme ça, ensuite, on met, oh, boum, attaque du portail, et bam, piu. Et on le défonce comme ça et on gagne plein de maîtrise en fait. En tuant des petits mobs comme ça tout nul, on gagne pas mal de maîtrise vu qu'il est encore bas niveau. Et il y a 300 les gars. Ouah, faut aller jusqu'à la maîtrise 300. Ouah, alors là c'est du boulot. Là c'est du taf. Eh, j'ai pas un petit flow quand même avec les jambes en feu là? Non, si, j'ai un vrai flow. Plus ça. Oh là là, mais pouloulou. Le flow du portail, wouhouhou, la dimension de zinzin. Ça c'est une vraie dinguerie quand même. Ça c'est, non, il est beau. En vrai, c'est pas le meilleur fruit je pense pour combattre, mais il est magnifique en vrai. Bon bah les gars, on sait ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, il va falloir aller se faire un giga boss pour up les maîtrises de zinzin. Déjà, on doit aller à la maîtrise 200 pour commencer. Eh oui, on va essayer d'aller se faire des petits boss, voilà. Je vais aller dans mon serveur privé, hein, ça sera mieux. Ok, bon bah nous voilà tranquillement dans mon petit serveur privé. Il fait tout joli, il fait tout beau. Par quel boss on va commencer? Il y avait pas un petit boss ici avant déjà? Bah, apparemment, il a pas spawn. Super. Allez sur le château sur la mer. Moi, il me faut juste un bateau, les frérots. Il me faut un bateau. Bonjour, petit mur, je peux te parler? Voici le roi Hell. Peut-être qu'un jour, il sera libéré de sa prison mentale. Ouh, ça a l'air d'être une quête principale, ça. Il y a des plaques de pression là-bas. Je sais pas trop à quoi ça sert. Hein. Bon, je vais pas. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo, les gars. On va pas découvrir tous les mystères de Bloxfruit aujourd'hui. Il est où les vendeurs de bateaux? C'est toi? Salut. Les gars, on va commencer par les petits boss. Hein. On va aller se faire le premier boss sur l'île de départ. On va aller se faire le premier petit boss. Après, on a quand même Boa Hancock à se faire là-bas. Les gars, j'ai farmé les boss, hein, parce que là, je suis en train d'up mes maîtrises pour avoir le truc God Human, des styles de combat. Donc là, je commence à connaître un petit peu tous les boss du C3 là. Je vais devenir un professeur. Ah, oh, mais à chaque fois ils me font peur eux là. Vous êtes des malades. Oh, est-ce que je peux faire passer un bateau dans le fruit de la porte? Alors là les gars, je suis curieux. Bonjour, oui, oui. Waouh, waouh, waouh. Faut pas commencer comme ça à faire des méchancetés de la vie. Ok, on va essayer déjà ça. Cette petite attaque, qu'est-ce que ça lui fait? Ok, ça lui fait rien vraiment. Ok, si je fais un portail. Ok, portail escape. Ok, c'est pas ça. Et si je fais ça? Oh, ah non, il passe pas dedans. Oh, je suis déçu. Arrêtez d'attaquer mon bateau, c'est le seul que j'ai. S'il vous plaît. Non, je vais mourir en mer. Bah, je vais mourir en mer. Je peux m'en sortir comme ça? Non, pas du tout. Ni comme ça. Comme ça, peut-être. Je suis foutu, hein. Les gars, on va pas se mentir. Je suis, mort. Au revoir. Oui, oui, et la bonne aventure. Oui, bah, je suis mort. Nickel. Ah, je dois refaire tout le. Bah, super. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire des expériences, et bah, ça marche pas. Blatso, petit boss, il n'est pas là? Bon, bah, j'imagine qu'il y a zéro boss sur l'île. Va falloir que je les fasse spawn. Super. Et bah, on va dans la boutique et on repaye un petit peu. Combien? C'est 50 Robux. Et on remet 50 Robux pour que tous les boss spawn. Au moins, ça, c'est vénère. Allez, essayons de le défoncer, lui. Voyons. On lui fait combien de dégâts? Ok, il va être long. Oh, il va être long. Ouah, ça va être un délire. Hop là, comme ça, il est là. Et là, on le frappe. Waouh, waouh, waouh. Ouh, technique. Boum. On va le commencer comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est débile ou quoi? Mais à chaque fois qu'on m'attaque, en plus, c'est des frérots. C'est des abonnés. Ils viennent pour me saouler. On fait la technique. Boum. Allez, viens, viens, viens dans mon plan machiavélique. Viens. Voilà, tu brûles. Voilà. Oh, si je l'attends là, hop là, je l'ai fait les deux à côté et voilà, il brûle en continu. Ouais, tu vas te calmer par contre. Hein. Oh, je suis en train de le défoncer. En fait, les gars, j'ai créé des strates de fou. En gros, je passe ici, hop là, dans la dimension, hop là, là, il sait pas où je suis. Hop là, je mets le petit épée, hop là, boum, il tombe dedans. Hop, tu tombes dans mon piège et boum, je finis avec ça. Ok, je me suis raté. Y a pas de problème. Hop là, et là, boum. Hop là, vas-y, viens griller dans mon truc. Viens griller dans mon. Non, pas là. Là. Voilà, viens là. Voilà! Boum, on prend des maîtrises! Let's go! Wesh, on a pris combien de maîtrises? On a pris beaucoup! On a pris 30 maîtrises là! Oh là 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 là, mais quelle dinguerie! Ah ouais, mais là on a pris masse de maîtrises en vrai! Hein. On va essayer de se faire les autres boss, mais ça va être compliqué en fait! Parce que j'ai pas beaucoup d'attaques avec ça, je peux juste faire des vieilles strats un peu éclatées, mais tranquille! S'il vous plaît, faites-moi passer au moins la maîtrise 200 que j'ai une autre attaque à mettre en vigueur! Là, c'est compliqué de se battre avec ce fruit en vrai! Hein. Après, il y a ça, oh ça c'est pas mal ça! Hein. Ça fait aller vraiment plus vite! Hein. Petite attaque, hop là, tu peux taper tes petits bonds dans les airs, et là, piou!
Non, ça a du flow. Le truc, elle a du flow en vrai. Petite spécialité là, bam bam bam. Ensuite, t'enchaînes avec ça. Ensuite, bam. Piou, piou. Ouah, non, ça a trop de flow, les gars. Je suis un super héros. On dirait que je suis un super héros quand je fais ça. Hop là, boum. Dimension portail. Piou. Ouah là là, non, c'est trop stylé. Bon, encore que j'arrive pour toi. Je sais même pas si ça fait beaucoup de dégâts ça. Ça a trop de flow en tout cas. Bonjour madame. Tiens madame. Ok, ok, on va essayer l'attaque. Ça lui fait pas de dégâts, je crois. Ouh là là, ça lui fait pas de dégâts. Hop là, petite technique, hop là, viens dans mon piège, viens dans mon piège, voilà, viens. Voilà, tu... Oh, oh là là, elle avait esquivé mon piège. Oh la folasse. Boum. Allez, passe dans mes pièges, passe dans mes pièges. Encore, 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 trop de pièges, il y a 1000 pièges. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, dimension, hop là, tu sais pas où je suis. Fouhouhou. Bam, portal dash, mon pote. J'ai plus de vie, je vais mourir. À l'aide, aidez-moi. Je veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Allez, on prend ça, hop là, boum, boum, t'es où? Bah elle a despawn. Waouh, c'est bon, je rigolais. Pfiou. Hop là, je passe dans la dimension miroir. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, boum, rien du tout. Et là, boum, ici, je te brûle. Pow. Oh, ça la défonce. Waouh, waouh. Ok, je passe ici. Hop là, ça dash fort ici. Hein. Non, mais c'est trop dur de combattre avec ça. C'est impossible. Comment me faire? Je sais pas comment me faire. Elle te défonce, tu es foutu. Hop là, j'arrive ici. Tu crois que je suis là? En fait, non, je suis là, je suis derrière toi. Et là, boum, défonce. Ok, là, il y a moyen, je te mette une attaque. Oh, ça va être la dernière. Oh, t'es foutu. Je spawn ici. Et voilà, boum, on prend les maîtrises. Waouh, maîtrise 166. Oh, c'est pas mal tout ça. Oh là 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 là. Mais bientôt maîtrise de sang, let's go. Je crois que c'est par là-bas, mais sur la route, il y a un autre boss ici. Ok, on va se faire ce boss-là d'abord. Oh là là, on va se faire la boss du Kilo Kilo Nomi. T'es foutu, t'es foutu. Voilà, on prend des maîtrises. Oh là là, 85, c'est tout, c'est tout. On prend que ça. Ok, ok. Bon bah là, la prochaine Big Mom, ce sera vraiment pour la maîtrise de sang. Mais là, ça va être une autre affaire, les gars. Oh là là, on arrive au repère de Big Mom. J'ai peur, ça fait peur ici. On doit emprunter la grande cuillère, la céleste cuillère. Hop, je vais mettre ça quand même. On sait jamais. Hop, peu de feu sur les jambes. Bonjour, bonjour, enchanté. Comment ça va? Bouya. La défonce tranquillement pour commencer. Hop, c'est ça qui est bien, c'est que je peux esquiver rapidement avec mon petit clic. Hop là, boum, dès qu'elle spawn. Tu spawn ici, hop, je me mets là-dedans. Hop, tu sais pas où je suis, boum. Je te prends par ici, hop là, et je me mets là-bas dès que tu m'attaques. Voilà, j'ai trouvé le petit combo pour avoir Big Mom. Allez, tu vas me faire passer maîtrise de sang, Big Mom. Tu ne le sais pas, mais tu es morte. Aïe, 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 oh, oh, esquive. Tu m'auras jamais. Aouh, Charlie. Oh, je la défonce, même défonce encore plus. Big Mom, c'est l'affrontement final. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Bam, passe dans mon TP, je te défonce. Hop là, je disparais dans une autre dimension. Hop là, tu sais pas où je spawn ici, hop là, sauf que je me mets là, et oui, et boum, et ya. Je te défonce, et là, boum, je te fais danser dans les portails. Bouhou. Hop là, je me mets ici, hop, j'esquive ton attaque évidemment. Tu m'as pris pour qui? Ne venez pas perturber mon affrontement. Oh, son tir, il est parti dans mon portail. Oh, la dinguerie. Oh, il attire l'attention. C'est une très bonne stratégie. Très bonne stratégie. Allez, on la défonce. On la défonce. On attire son attention. Boum. Dimension miroir. Hop là, tu ne peux rien me faire ici. Je suis invincible. Ok, dimension miroir, dimension miroir. Peut-être on peut l'avoir avec ce portail. Let's go, maîtrise supérieure. Bouhouhou. Oh, on est parti loin là. On est parti loin dans les maîtrises. Let's go. Du coup, on a le droit à une autre maîtrise qui s'appelle World Map. Ok, c'est plutôt stylé. Voyons voir ce que ça donne. World Map, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Mais non! Mais je peux me téléporter où je veux! Arrête, arrête! Jure? Attends. Le port. Allons au port. Oh ouais? Je me téléporte où je veux? Mais non! Oh, il a le fruit de la porte aussi? Jure, il a le fruit de la porte? Oh bah les gars, ça tombe bien parce que je pense pas que je vais avoir le temps d'aller jusqu'à la maîtrise 300. Du coup, peut-être qu'il peut nous montrer la maîtrise 300 s'il a le fruit de la porte. Ou alors, ah non, peut-être qu'il a juste utilisé. Ah non, il a peut-être juste utilisé le même portail que moi en fait. En tout cas, mais c'est une dinguerie, grand arbre. Waouh, attends. Il peut prendre le même portail que moi? Ah ouais? Bah oui, parce que comment il savait où j'allais? Oh, c'est une dinguerie! Et les gars, malheureusement, en fait, je m'étais fait spoil la dernière maîtrise qui est incroyable. Mais malheureusement, j'aurais pas le temps de vous la montrer aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite compile des meilleures actions avec la Dimensional Rift qui est beaucoup trop stylée. J'espère que ça vous a plu, moi je trouvais ça vraiment incroyable, c'est ultra épique et j'espère pouvoir la débloquer un jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas les gars, abonnez-vous et mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait, on rush les 40 000 abonnés et likez si vous voulez plus de Bloxfoot, tout simplement. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures, salut!